Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je voulais vous présenter ce que j'ai fait pour Patricia, My Love Scrap sur Instagram. Donc c'était l'échange du mois d'avril pour sur mon groupe Facebook et j'avais décidé le thème Pâques. Donc du coup, j'ai utilisé la nouvelle collection de Simple Story, Bunnies and Bloom. Donc elle est trop chou cette collection. Donc du coup, je lui ai fait un backpack, un sac à dos. C'est le tuto de Busine with V. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, vous allez voir qu'on va voir son tuto. Elle aussi, elle a utilisé cette collection. Et je trouve ça trop chou. Donc c'était vraiment... Je trouve que c'était vraiment compliqué quand même, hein. Pour coller et tout, j'ai un peu galéré. Donc j'ai cousu, j'ai découpé à la silhouette certains morceaux et d'autres j'ai fait à la main. Donc alors de plus près, j'ai fait une rosette en crépon avec du doré autour. J'ai mis un petit charme. Donc là, si vous entendez miauler, c'est mon chat. Je lui mets un petit nœud. J'adore. Non, mais elle est trop mignonne, cette collection. Ah, là, j'ai fait une pochette. Et en fait, du coup, j'ai vraiment fait comme une vraie pochette. Je lui ai mis des petits découpes de petits lapinous. Hop. Voilà, j'ai mis ça, la croix. Donc, une fermeture éclair. On va voir si j'arrive à enlever ce que j'ai mis dedans. C'était un peu compliqué. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je lui ai fait comme un tag. Ça, c'est le papier. C'est un tag de la collection qui était déjà tout fait. Donc j'ai mis ça, je l'avais fait il y a, je crois l'année dernière justement, période de Pâques, un petit œuf. Bon, je trouve que ça va, je l'ai plutôt bien réussi, hein. Donc je lui ai fait ça. Ensuite, je lui ai mis un lapinou plus grand, c'est un dies. La maman et le bébé. Voilà. C'est un peu en 3D. Et ah oui, je l'ai mis un petit pot, un petit tube de ce cas. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Voilà, l'intérieur, on voit pas trop. Donc je lui ai fait ça. J'ai fait aussi une petite boîte trop chou. C'est un dies que j'ai acheté sur AliExpress. Elle est vraiment mini, hein, la boîte, hein. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je voulais y mettre des chocolats. Si ça rentre, hein. Et pour finir, je lui ai fait un flip tag en forme d'œuf, bien sûr. Ah, voilà. Donc le premier, je l'ai fait en mode shaker. Et en fait, je me suis rendu compte que les sequins, si on secoue trop, bah, ils tombent. Les petits sequins qui avaient à l'intérieur, là, les tout petits comme ça, ils s'en vont. Mais bon. Donc du coup, Patricia, hein, secoue pas trop, hein. Donc, voilà pour le premier. Le deuxième, j'ai rajouté un petit nœud au tag.
J'ai rajouté des petites fleurs en résine. Elles sont trop belles. Elles sont toutes petites. J'ai fait des petits points en relief avec le pearl d'action. Voilà, c'est un tag de la collection. Même les enamel dots de la collection, hein, j'adore. Ils sont trop beaux. Voilà, un petit sachet avec des têtes de lapin. Là, le petit lapinou que je vous ai montré au début. J'ai rajouté des perles sur une épingle. Et pour finir, je lui ai fait une Memory Donc c'est une Memory Dex. Oups. Donc là, il y a un petit charme. La lettre de son prénom. Dedans, il y a la petite carte qui va avec le dies. Avec des petites oreilles de lapin trop chou. Donc voilà. Donc j'espère que Patricia, ben, je sais que tu l'aimes cette collection, donc tu l'as acheté aussi. Donc j'espère que tu vas aimer. Ah oui, je lui ai fait un petit paper clip. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'adore. Voilà. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.